Bonjour à vous tous, gens de la Gaspésie, gens des îles de la Madeleine et du Québec. Nous, les artistes, les artisans, les travailleurs de la culture, sommes fiers et responsables et avons besoin de savoir que nos dirigeants, que nos élus sont à l'écoute de nos besoins, qu'ils sont là pour supporter, pour nous supporter et nous accompagner dans nos démarches de création artistique. Qu'ils sont là aussi pour nous soutenir dans la réalisation de nos rêves, de nos projets, qu'ils acceptent de nous faire une place à nos commentaires, qu'ils ont confiance en notre jugement et qu'ils reconnaissent notre créativité et notre passion. Nous sommes profondément ancrés dans nos communautés locales et régionales. Notre personnalité, notre authenticité, prend racine dans ce pays du bout des terres. Nous sommes la Gaspésie et nous sommes aussi le Québec. Les dommages directs, sans parler des dommages collatéraux, engendrés par les mesures, les réformes, les restructurations improvisées et sans vision de nos dirigeants, dont les seuls objectifs révélés sont de nature financière, risquent d'avoir des effets dévastateurs et irrécupérable dans toutes les sphères de notre communauté. Dans le domaine de la culture, à titre d'exemple, culture et communication, nous vivons une fusion de deux unités administratives, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, bureaux régionaux gagnés de ferme lutte il y a 25 ans, et voilà, c'est fusionné maintenant. La prochaine fois, il arrivera quoi? Fusion avec Chaudière-Appalaches, peut-être? Enfin, nous verrons. Sans compter actuellement une grande inquiétude de notre part sur la coupure des budgets qui était confiée à la Conférence régionale des élus, sans compter les abolitions annoncées de CLD. Il semble qu'on se dirige carrément vers une perte de services, une perte d'argent, puis que ces restructurations qui viendront toucher directement un nombre important de personnes en région n'ont que des effets négatifs. Notre tolérance à l'égard des mesures imposées ne peut se faire au détriment de tous les acquis que nous avons faits au cours des 30 dernières années. Soyons solidaires, mobilisons-nous, crions haut et fort notre désapprobation. Nous sommes maîtres de notre engagement. Nous sommes maîtres de notre motivation, de notre créativité, de notre volonté de réussir ici, en Gaspésie, où nous avons pris racine. Ne touchez pas à notre dignité, ne touchez pas à notre fierté. Nous ne sommes pas problème, nous sommes solution. Félix Leclerc disait dans son petit livre bleu, « La Gaspésie, pays intérieur de chacun de nous, patient, silencieux, mystérieux, inconnu. Le cri qui fera peur à tout le monde, c'est de là qu'il viendra. »